Bon, on va vlogger aujourd'hui. Fatima, you are ready? Ready, Fatima? Your makeup, ok. Moi, je suis presque prête. Je sais plus dans quoi rentrer. Donc, je me suis habillée simplement. Vous voyez, un legging. Mettre ma montre. Du coup, je peux choisir la... Oui. La rouge ou la bleue. Enfin, la bleue, c'est à mon mari. Mais je vous les ai déjà montrées. Et la promotion se termine bientôt. Ce sont les montres de Daniel Wellington. Vous avez un code que je vais vous mettre, donc de moins 15% jusqu'au 30 août. Donc moi j'ai pris celle-ci. Voilà. Donc moi j'ai pris la Bordeaux avec le bracelet qui suit avec. Et donc Ahmed il a choisi celle-ci. Elle est franchement sympa. Après vous voyez la différence. Elle est beaucoup plus grande. Donc voilà, avec le bracelet qui est ici. Donc je vais vous donner le... Je vous mettrai le code promo si ça vous intéresse. Khalas ? Donne ? Non ? C'est le boxon, hein, regardez. Il y a des fringues partout. On a entassé deux matelas là. Des fringues partout, des fringues partout, des fringues partout. So tomorrow you will go to ? Tomorrow we go to Tioman. Tioman, yeah. Tioman. In Malaysia. In Malaysia. Then inshallah you will go back in Thursday. Thursday inshallah we go back and then we go. Saturday you fly to Jakarta and from Jakarta to stay one day in Jakarta and then we're going back to Holland. Amsterdam. Amsterdam. Yalla. So okay. Aujourd'hui on va aller du côté de Chinatown and Little India, ok? Yes, yes. No, not Chinatown, sorry. We will go to Little India and Arab Street, okay? Okay. Chinatown Thursday. Ok. Thursday? Yeah. Thursday? Friday. Oh, sorry, Friday. Yeah, because you will come back Thursday. Yeah, Friday. Ok. On va y aller tout doucement, les filles. Il est 13h30, on vient d'arriver à Little India. On va commencer à se promener tout simplement dans le quartier ici. Donc, c'est parti! Oh my god! This one I can tell. Oh my god, il vibre! Il vibre! Wat staat dus hier echt gewoon zo? Oh my god, I hate them! Je déteste les cafards! Même en jouet! Bon, les filles, on s'est arrêté à Value Dollar. Et regardez les fils qu'ils ont. Donc ça, vous ne trouvez pas les BN, vous ne les trouvez pas dans les supermarchés. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'ils en ont ici chez Value Dollar. Donc du coup, l'autre fois, j'en ai pris aux filles. J'aurais fait goûter, j'aurais dit que maman et papa, ils étaient petits, ils mangeaient ça et elles ont bien aimé. Donc du coup, j'ai pris fraises et chocolat. Donc voilà, en gros, c'est un magasin dans lequel vous trouvez plein de trucs. Il y a beaucoup de chocolat quand même, hein. Énormément de gâteaux, chocolat, des cochonneries, quoi. Plein de trucs pas cher. Ça a l'air bon, ça, c'est quoi? Au bol. Voilà, donc je vais prendre les BN et on va continuer. Ok, on a trouvé où faire du henné. Donc elles vont aller se faire un tatouage au henné. Ah, je suis crevée. Moi j'ai juste une envie, c'est de m'asseoir. Oh non, je peux plus monter l'escalier. Just go. Ah. Yeah, you can go first. Yeah. I'm coming. Ok. Coucou. You will choose the design and I will just sit. Hello. Okay, you want something simple? Yes, something. And food. Okay. No, it's only for her, yeah. Yeah. Oh my god, you have so many. Yeah, so many choice. Well, yeah, no. Hello, yeah. This is nice. Action, look at the... Ok. Je me rends compte que depuis ce matin, je vous parle de l'autre côté de la caméra. Donc, elle est belle la couleur derrière. On va faire le henné. Ensuite, on va prendre le métro direction Arab Street. Donc, je vais leur montrer la mosquée du fameux Sultan Mosque, quoi.
Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Mosquée, on va se poser sûrement manger là-bas, du côté d'Arab Street. On va aller du côté d'Ajilan aussi, la rue, vous voyez, où il y a toutes les calligraphies. Où il y a tous les graffitis plutôt. Et ensuite, on va rentrer. Franchement, je suis chaos technique. Et il y a deux ans, quand elle était venue, c'était un programme de dingue. Là, c'est plus relax du fait qu'elle a déjà vu la ville. Donc du coup, c'est vrai qu'on prend un peu plus notre temps. Donc voilà pour le programme de cette fin d'après-midi, puisqu'il est déjà 2h35, mine de rien. Il faut que je sois rentrée avant 18h. Arab Street, on va aller prier et ensuite on va se poser un petit peu. Coucou les filles, on est dans un magasin encore de souvenirs. J'ai jamais vu autant de magasins de souvenirs de ma life. Fatima, mettez cette sorte. Elle a pris plein de sacs comme ça au fur. Puisque en Hollande, ils ne donnent pas de plastique. En France aussi, je pense que dans la plupart des magasins, on donne pas de plastique. Donc du coup, elle trouve que c'est un super cadeau. Bonne idée. C'est écologique. Ah, j'ai faim. J'ai trop faim. Ok, donc voilà, on est à Ajilan Street, donc la rue dans laquelle vous avez tout plein de jolis petits graffitis. D'ailleurs, c'est le seul endroit où vous en trouverez à Singapour. Et voilà. Ah, yeah. Ok, on les filles, on arrive à la fin de la journée. What are you eating? Not sure. With tomatoes, beef and beef. Yeah, on est au Lima Café. Et on va pas tarder à rentrer parce que, mine de rien, il est déjà 17h20 et surtout je suis crevée, j'arrive plus à marcher. Wally Walou.